Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Donc, je commence par ma base à paupières. Je prends mon petit miroir. Déjà cette taille-là. On va faire l'autre œil. Je pense que ce sera bon. On part en dessous. Voilà la base. C'est bon. Hop. Donc, j'ai choisi ma Naked 3 pour faire le tuto make-up. Donc ça va être un tuto, je pense dans les tons, je vais prendre deux palettes, mais pour l'instant je vais prendre ma Naked 3 je pense, et je vais prendre le Nooné ou je sais pas trop quoi, celle-là, le mat marronné un peu. Moi, je secoue. Je fais mon creux de paupière avec cette couleur-là. Déjà, ça fait comme ça le creux à peu près. Je reprends un peu de poudre du fard. Là, ça me plaît bien, la transition. Je fais l'autre œil. Je reprends un peu de poudre. Ça fait comme ceci. Hop, pour moi ça me va cette couleur. Je prends un pinceau tout propre pour estomper un peu. Hop, l'estompage me va. Au pire, je vais prendre celui-là. Non, je vais pas prendre cette palette-là. Beige. J'ai. Oups, là. Excusez-moi, je fais tomber une petite palette, mais heureusement, elle n'est pas tombée. Elle s'est pas cassée. Au pire, je vais prendre ce beige-là de la collection de Noël, la petite palette de Noël comme ça. Je vais prendre ce fard-là pour faire sur la paupière mobile. Ça fera plus joli, je pense. Ça fait comme ça. Là, c'est un marron beige, j'ai choisi. On va faire l'autre œil. Je vais remettre un tout petit peu.
Voilà les deux trucs. Bon, je vais passer au teint. Alors, je vais prendre quoi pour mon teint? Je vais prendre ce fond de teint là à finir. C'est de la marque Modilite. C'est un beige naturel. On va essayer celui-ci. Je vais vous reculer un tout petit peu. Pour l'instant, j'ai mis ça en quantité pour le teint. Je vais en remettre un tout petit peu, voilà le rendu déjà. Je vais en mettre un tout petit peu pour le coup. Je mets ça pour le coup à peu près. Voilà pour le teint déjà. Donc je range ça. Je vais prendre ma poudre. Ma poudre, c'est la poudre Max & More en teinte light beige. Donc là, je poudre mon visage. Comme ceci. J'en mets dans le cou au cas où. Voilà pour le teint. Je vais remettre le même blush que la dernière fois, le rosé comme ça, toujours le même. Je vais faire l'autre joue. Voilà, je reprends mon pinceau à poudre pour estomper. Comme ceci, le blush est fait. Donc, je reviens aux yeux. Je cherche un truc et je reviens. Il est Je vais prendre mon petit crayon cuivré pour faire en dessous de l'œil.
ça fait comme ceci, le cuivré. Le deuxième œil, c'est fait. Je vais passer au mascara. Toujours le même que j'avais eu par ici. Ça fait comme ceci avec le mascara. Ça fait comme ça en bas. Comment vous allez-vous? Mes chers abonnés, j'espère le make-up vous plaira. Parce que la semaine prochaine, je serai pas là, donc je pourrai pas regarder comment vos vidéos parce que je vais aux 24 heures du Mans, donc ça sera un peu embêtant pour regarder vos vidéos. Je pourrai pas, donc voilà. C'est pour ça que je fais le tuto. Merde. J'ai bavé mais je le nettoierai après. J'ai rien à côté de moi là, donc je le ferai après. Donc voilà. Ça fait comme ceci. Aujourd'hui je vais prendre cet highlighter là. Il faut que je retrouve mon truc pour l'étaler. Voilà, je vais prendre cette brosse là pour l'étaler. C'est un cuivré, oui, doré cuivré de chez Action. Je prends mon petit truc pour bien un peu pour l'estomper. Ça fait comme ça la lecture. Un stick. Je prends mon pinceau pour estomper bien correctement et ça fait comme ceci. Ça, j'allais dire tout ça, ça c'est fait. Et on va passer aux lèvres. J'ai pas envie de faire mes sourcils aujourd'hui. Je prends ça comme rouge à lèvres. C'est un Yves Rocher, c'est il est pas sans transfert. Il est donc voilà. Il est comme ceci, ce rouge à lèvres là. Et c'est un de mes préférés. Donc voilà. Mon tuto. Okay, ça fait un peu dégueulasse là, mais bon. Donc voilà. J'espère mon tuto vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.
Bye bye les amis.